Alors, un homme de 60 ans, Alain Casa, a été formellement accusé du meurtre non prémédité de sa propre fille de 34 ans à Ormstown, en Montérégie. Et Denis, c'est la commotion dans leur entourage. Au moment où on se parle, Sophie, c'est toujours la consternation pour les proches, pour les amis d'Amanda et d'Alain Casa. On se demande bien ce qui a pu se passer à l'étage de la bâtisse derrière moi pour que ça dégénère au point où un père est accusé du meurtre au deuxième degré de sa fille. Les relations n'étaient pas toujours faciles entre Alain Kaza et sa fille Amanda. Mercredi matin, l'homme de 60 ans s'est présenté dans l'appartement de sa fille à Ormstown. Ça a dégénéré. La femme de 34 ans a été poignardée. Le coup était fatal. Alain Kaza, qui a alerté le 911, a tout de suite été arrêté sur place par les policiers de la sûreté du Québec. Il a longuement été interrogé par les enquêteurs jeudi matin. Il a comparu au palais de justice de salaberry de Valleyfield. Nous, on se base sur la preuve qui nous est donnée pour autoriser des accusations. Nous, on a considéré que c'était un meurtre au deuxième degré. Et c'est ce qu'on va présenter comme preuve pour soutenir ces accusations-là. Sans préméditation. Exactement. Dans une première déclaration faite aux policiers, Alain Casar a mentionné qu'il avait agi à titre de légitime défense, c'est-à-dire qu'il se défendait alors que sa fille l'attaquait avec un couteau. Cependant, lorsque les policiers ont examiné la scène, l'intérieur de l'appartement, rien ne laissait croire que ça s'est passé comme ça. Amanda était la mère d'une fillette de 8 ans. Mercredi, le père de l'enfant est venu chercher ses effets personnels et son chat. Des proches d'Alain de Casas, à qui nous avons parlé, ne comprennent pas ce qui a pu se produire. Le père d'Amanda habitait ici à Huntington. Il a confié à son voisin qu'il n'allait pas très bien. Il avait l'air plus triste puis il parlait moins depuis un mois, à peu près. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Bien, il a juste dit euh, oh il j'ai un problème. Et il dit. C'est moins qu'un problème. En après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec sont revenus dans le quartier pour faire du porte-à-porte, -porte pour rassurer ceux qui auraient des inquiétudes et surtout obtenir de l'information pour aider à l'enquête. De Niterio, tv TVA Nouvelle, Homestown.